Hello, lovely to see you. This week I invite you to join me to come along to a local exhibition of artists here in Normandy. It was absolutely full of incredible talent, so I'll take you around and show you what I saw there, especially some very weird and wonderful sculptures. Make sure you stick around until the end, where I interview in French a local artist, and along with a photographer, they are bringing body positivity to France, and it's about time too. I hope it's interesting. Let's find out. Do you know if I'm allowed to film in here? It's all very, very posh. It's in a church, which doesn't help with the old, you know, serious atmosphere thing. God, I just had a fright. I thought this was a bunch of people. See what I mean? Totally have to do a selfie with one of these guys. One of these for your bedroom. Sneaky bum squeeze. Did you think this was a painting as well when you first saw it? Well, that was very interesting. I feel quite inspired. My soul feels full of colours. Now let's go and meet the artist Leslie Luca at her exhibition Ligne de Corps, which was a collaboration with photographer Maud Godignon, combining stunning photography with gold leaf and embroidery. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, alors moi je suis Leslie Lucas, je suis artiste, je marie différentes techniques dans mon travail.
notamment la peinture, le cyanotype, la feuille d'or, hein, beaucoup, oui. Et la broderie aussi sur papier, notamment actuellement. Absolument magnifique. Est-ce que je peux montrer un des images là sur ma chaîne, ça ne vous gêne pas? Juste pour montrer un petit peu la magnifique détail et la mise en valeur des femmes. C'est absolument splendide. Et qu'est-ce qui vous a mené à faire justement cette collaboration actuelle? Justement, oui, il s'agit d'une collaboration ici pour cette exposition, Ligne de corps. C'est une collaboration avec Maud Godignon qui est photographe. Et Maud, en fait, a travaillé avec les modèles, ces modèles, pour mettre en valeur les différentes lignes de corps des femmes. Oui. Toutes les lignes, qu'elles soient courbes, qu'elles soient pleines de paysages, voilà, pleines de vie aussi, qui racontent tout le parcours de vie des femmes. Oui. Et donc ces photographies que Maud a prises, ensuite elle me les a transmises pour que je puisse travailler dessus, intervenir avec ma feuille d'or et ma broderie. Mon fil d'or, en fait, je travaille les photographies en transperçant la photo avec mon aiguille et mon fil. Et je peux poser ainsi des petites paillettes, tendre des fils dorés. Et aussi, je travaille avec de la feuille d'or, donc c'est-à-dire une encre que je vais poser comme une colle. Sur ouais. laquelle ensuite je vais pouvoir poser la feuille d'or. C'est magnifique, je trouve que ça met en valeur tellement, ça attire l'œil sur tout ce que peut-être des femmes peuvent des fois dire, oh ça me gêne, ouais. ça me... Les, comment ça s'appelle, les vertus. Oui, mais en fait, c'est une beauté aussi. Exactement. Et vos petits points d'or, je trouve que ça attire l'œil et l'esprit vers la côté beau oui. Le corps de la femme. C'est magnifique. Ça permet de les mettre en valeur, de les regarder d'une autre manière. Oui. Effectivement, ce sont des lignes de corps qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en photographie ou dans les médias. Oui. Et notre idée, notre en fait ligne de création, c'était vraiment de pouvoir montrer toutes ces lignes qui sont magnifiques et de pouvoir libérer en fait cet état d'esprit et libérer aussi ce corps et ces corps, voilà, les voir avec bienveillance. Exactement. Oui. Ouais, c'est vraiment notre but de pouvoir faire bouger les lignes. Génial. Ben, merci beaucoup. Merci de ce petit moment. C'était merci très intéressant. Thank you so much for watching. I really hope you enjoyed it. And if you haven't done so already, then follow me on Instagram at jd_art_portraits, where you can follow more of my day-to-day life here as an artist in Normandy. I share a lot of extra things there. So hope to see you over there and take care, stay creative, and I will see you again next week. Bye for now.